Le sentiment national exprime parfois d'étranges contradictions. Nous honorons, nous autres Français, ces lointains héros qui résistèrent à la conquête romaine, et pourtant nous tirons une égale fierté de l'héritage que nous a laissé cette même conquête romaine. On peut parler de pénétration romaine en Gaule. On ne parlera jamais que de l'invasion allemande. L'invasion est destructrice. La pénétration est civilisatrice. Une telle nuance doit intervenir dès lors qu'on veut juger de la pénétration française en Indochine. Depuis 1946, la guerre sévit en Indochine. Dans cette guerre, la France a perdu des milliers d'hommes et elle a sacrifié à l'indépendance indochinoise des sommes qui auraient pu lui permettre de résoudre beaucoup de ses propres problèmes sociaux. Ces sacrifices sont-ils justifiés? Partir d'Indochine ou poursuivre le combat? Ces deux opinions contraires posent mal le problème. Plusieurs générations de Français s'établirent en Indochine. Ils créèrent là-bas une œuvre riche de promesses. Une œuvre qu'on abandonne avec d'autant moins de facilité que des populations fuyant la zone rebelle réclament notre aide et témoignent que 50 ans de progrès sont menacés de destruction. La pénétration française en Indochine est un fait d'histoire, vieux de deux siècles. Ces Vietnamiens d'aujourd'hui honorent un tombeau vietnamien où repose un Français, Monseigneur Pignot de Béhaine. En 1787, il accompagna de Hue, capitale de la Nam, à Versailles, le prince Khan, qui obtint l'assistance de la France pour rétablir la paix dans son pays. Et aujourd'hui, des Vietnamiens rappellent qu'il y a près de 200 ans, des Français aidèrent le Vietnam à retrouver son unité. Au début du 19e siècle, ces Français seront persécutés. Alors, à la suite du Second Empire, la Troisième République étendra la protection française à tous les pays d'Indochine. Au début du XXe siècle, les combats éteints, commença de régner sur l'Indochine ce qu'on peut bien appeler la paix française. Pénétrant en Indochine, les Français rencontrèrent de très anciennes civilisations. Il ne s'agissait nullement de civiliser des peuplades primitives, car ces hommes témoignaient d'une grande élévation spirituelle et d'une très haute culture. Mais peut-être pour avoir été plus que nous fidèles au renoncement religieux, ils avaient été comme immobilisés à un moment de leur évolution matérielle. Sous une résignation apparente, la réalité indochinoise était cruelle. Cette réalité, c'était partout la surpopulation, compliquée d'une sorte d'indifférence en matière de progrès technique. Ces peuples avaient perdu cette révolte féconde devant la faim, la maladie et la mort qui a toujours inspiré l'élan créateur de l'Occident. Les hasards de l'histoire voulurent précisément qu'il incombatte à la France de proposer cet élan au peuple d'Indochine. Ces 50 ans de paix nous sont trop souvent présentés comme cette divinité avec deux visages, mais deux visages aussi dissemblables que possible. Tantôt c'est seulement le visage cruel du colonialisme, mais à lui seul, ce colonialisme eut-il construit tant d'œuvres gratuites, de ces œuvres que n'inspire aucun profit.
Tantôt, c'est seulement le visage angélique de la philanthropie qu'on nous propose, mais à elle seule, la philanthropie eût-elle multiplié tant d'initiatives, tant d'entreprises utiles. La définition exacte de cette pénétration se situe entre l'exploitation et la charité. Elle était fondée par les faits sur une très simple notion, moins barbare et moins noble à la fois, l'échange. Cette notion d'échange, elle surgit partout où se rencontrent les deux civilisations. À première vue, l'intervention de l'Occident n'apparaît pas dans la culture traditionnelle du riz, première richesse indochinoise. Les conditions dans lesquelles le riz doit être cultivé s'opposent à une mécanisation spectaculaire. Cependant, des essais de mécanisation ont été entrepris et partout, d'importants travaux d'irrigation. L'intérêt suscita ces entreprises, mais les peuples indochinois en tirèrent eux aussi bénéfice. Profit des uns, prospérité des autres, échange. Les famines disparurent, la ration quotidienne doubla et la population tripla en 50 ans. Le travail du mineur est pénible. Il l'est au Tonkin comme dans le Pas-de-Calais. Ces mines à ciel ouvert produisaient près de 3 millions de tonnes par an. Le charbon alimenta les centrales, il distribua la lumière et fit aussi démarrer l'industrie textile. Et la population indochinoise put se vêtir. Charbon, vêtements, échange. Échange encore le caoutchouc. L'arbre à caoutchouc était inconnu en Indochine. Des Français défrichèrent la forêt vierge et plantèrent l'EVA. Alors dans la jungle, des usines et des villages surgirent. Ce travail de géant fut entrepris en vue d'un profit et à l'aide de la main-d'œuvre indochinoise. Mais la présence de la plantation transforma la condition des ouvriers. Voir ces images qui se répètent dans chaque plantation, on pensera que l'intérêt du planteur lui commandait d'avoir une main-d'œuvre en bonne santé, de gagner sa fidélité par tous les moyens, même les plus humains. C'est vrai, dans une certaine mesure. Mais était-il tellement nécessaire que celui qui saigne les EVA sût lire et écrire? Il n'y a pas que les écoles de la plantation, car cette notion d'échange existe bien au-delà de l'entreprise privée. Dans ces écoles, les enfants, les adolescents d'Indochine reçurent pendant 50 ans cette culture occidentale sans laquelle la condition humaine ne saurait progresser. Pendant 50 ans, dans ces universités, des élites nouvelles furent formées pour compléter les élites traditionnelles. Pendant 50 ans, l'école française d'Extrême-Orient engagea ses peuples à défricher la forêt, mais ce fut pour leur révéler leur propre passé, leur propre histoire. En 1940, avec l'invasion japonaise, ce demi-siècle de paix prendra fin. Et encore plus effectivement le 9 mars 1945, lorsque les Japonais, par un coup de force, liquideront l'armature militaire et administrative française. Les Japonais voulurent démontrer que la France était un pays vaincu. Ils y réussirent si bien que, privé de ses cadres français, l'Indochine s'effondra dans l'anarchie. Et fait unique dans le siècle, la famine s'empara de la péninsule. Cela dura.
jusqu'à ce que la métropole affirma de nouveau sa présence en la personne du général Leclerc le 5 octobre 1945. Lorsque Leclerc débarque en Indochine, le parti Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh, exerce le pouvoir au Tonkin et en Annam. Le Viet Minh se déclare anti-français, mais en 1945, le Viet Minh ne peut à lui seul débarrasser l'Indochine des troupes chinoises qui, sous prétexte de la libérer, la mettent au pillage. Ho Chi Minh se rapproche donc de la France, démontrant ainsi qu'elle était bien la garantie de l'indépendance vietnamienne. La France s'efforce alors d'élaborer la souveraineté vietnamienne en baie d'Along, comme plus tard à Fontainebleau. Dans la nuit du 19 décembre 1946, l'armée Viet Minh, reconnue par la France comme armée régulière, assaille les garnisons françaises. Les garnisons tiennent, mais les civils, par centaines, paient de leur vie l'acte du Viet Minh. Le Viet Minh tentait de chasser les Français d'Indochine, mais pour mieux se soustraire à la règle démocratique et éliminer par la force ses adversaires politiques. Devant la résistance française, le Viet Minh dut prendre la brousse. Ce fut la guerre d'Indochine. Ce qui avait été commencé en 1945 avec Ho Chi Minh fut achevé en 1949 avec l'empereur Bao Dai. Le 8 mars 1949, la France reconnaissait l'indépendance du Vietnam. En renonçant à ses protectorats du Tonkin et de l'Annam et à sa colonie de Cochinchine, elle reconstituait intégralement les frontières historiques du Vietnam. Et dans les jours qui suivent, elle reconnaît successivement l'indépendance du Cambodge et l'indépendance du Laos. Depuis, dans chacun de ces pays, le gouvernement fait œuvre de souveraineté pleine et entière, et cela est vrai au Laos, au Cambodge, au Vietnam. À tous les échelons de l'administration, le fonctionnaire vietnamien a remplacé le fonctionnaire français. Et ce qui est vrai pour l'administration centrale l'est aussi pour l'administration municipale. La police est vietnamienne et ne répond de ses actes qu'au seul gouvernement vietnamien. L'aviation commerciale est vietnamienne. Ces douaniers sont des douaniers vietnamiens auprès desquels le voyageur français ne jouit d'aucun privilège spécial. À tous les degrés de l'activité sociale, la relève des cadres français par les élites indochinoises ne cesse de s'affirmer quotidiennement. Relève ces jeunes médecins vietnamiens qui prêtent, comme tous les médecins du monde, le serment d'Hippocrate. Relève encore ces techniciens vietnamiens, laotiens, cambodgiens, capables d'utiliser les plus récents équipements occidentaux. Les étrangères nient la réalité de l'indépendance des pays indochinois. Pourtant, les ambassadeurs des trois États, la présence de leurs délégués dans les grandes conférences internationales, manifestent cette indépendance. Mais
Mais la preuve la plus évidente de l'indépendance des trois États réside en leurs armées. Depuis 1949, l'armée française forme les cadres et entraîne les hommes du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Déjà, de nombreux secteurs ont été transférés aux autorités militaires des trois États, et si le corps expéditionnaire demeure encore sur leur territoire, c'est pour les aider à défendre leur jeune indépendance. On oppose à l'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam la présence de l'armée française. Il n'y aura pas, dit-on, d'indépendance aussi longtemps que cette armée demeurera sur leur sol. Pourtant, ces hommes votent. Auraient-ils pu désigner librement leurs représentants si l'armée française avait quitté le pays ? En 1945, la famine et la misère s'étaient emparées de l'Indochine. Aujourd'hui, protégée contre les violences intérieures, l'industrie et l'agriculture assurent la subsistance de 25 millions d'Indochinois. En irait-il de même si l'armée française n'avait pas été là ? En 1945, les Chinois s'installaient en maître sur le sol indochinois. Aujourd'hui, les richesses agricoles et industrielles des trois États sont défendues contre une convoitise séculaire. Et c'est ainsi que tout le sud-est asiatique est préservé de la loi du plus fort. Aujourd'hui, dans le monde, toutes les nations sont à la recherche de formules d'association. Ce train européen du poule charbon acier prouve que la prospérité de chacun dépend d'un effort commun. Les nations indochinoises ne pouvaient échapper à cette loi du siècle, mais elles avaient à choisir entre une méthode fondée sur la loi du plus fort, celle que le Viet Minh a choisie, lui, dont le sort dépend de l'immense Chine totalitaire, et une méthode fondée sur l'association, celle que leur propose l'Union française dans sa diversité et sa puissance, celle que des Vietnamiens, des Laotiens et des Cambodgiens ont déjà choisie, et pour laquelle ils votent, travaillent et se battent. Ces hommes ont compris que l'Union française leur proposait une forme de civilisation qui refuse de sacrifier la liberté de penser à une exclusive vision matérialiste et qui veut au contraire concilier l'individuel et le social. Voilà ce que ces tracts s'efforcent de faire comprendre aux soldats du Viet Minh qui continuent de se battre pour une indépendance que leurs compatriotes vivent déjà. La guerre sévit dans la brousse, mais dans les villes, là où les deux civilisations sont étroitement associées, la paix règne, manifestant mieux que tout autre argument la réalité de l'Union française. C'est dans la paix que les peuples de l'Union française pourront mettre en valeur leurs richesses. C'est dans l'union qu'ils pourront fortifier leur indépendance et leur liberté.